monde. Mais pas de bonheur, hein. Peu dedans. J'ai une panne d'oreiller ce matin. Oh, tant pis, c'est les vacances. Ouais. Bon, ça ne m'empêchera pas d'aller travailler là où je dois le faire. Je vous montre. Donc voilà, c'est ici. En fait, on va retravailler le gravier qu'il a là. Et je vais essayer d'en remettre le plus possible aujourd'hui, quoi. Avec du ciment. Pour le durcir un peu. C'est une technique que j'ai vue sur YouTube. On va voir si ça fonctionne. Si ça peut le stabiliser un peu plus, ce serait pas mal. Allez, on y va. Banéan, c'est une rue. Il y a des voitures qui passent. Mais si, je te jure. Allez, où? Allez. Ah non. Bon, ben on est bien au soleil. Mais bon, il faut que j'attende que mon fils rentre du travail parce que, en fait, c'est pour ça que je devais me lever de bonne heure ce matin à 5h pour l'emmener. Parce que ben, j'ai besoin de ma voiture pour aller chercher le gravier quand même. C'est mieux. Je vais pas le porter sur le dos. Bon, déjà, on va essayer d'enlever toutes les dalles que j'avais mis pour fixer la toile, la redresser et puis remettre bien les graviers. Allez, let's go. Connaissez ma très très grande patience. Il faut que je trouve du gravier avant que mon fils rentre parce que ça va m'énerver. Et je pense savoir où. On y va.
savez quoi? J'ai bien fait de faire une grasse matinée. Ouais. Bon, comment dire? En fait, ça va être mon coin de test. Je vais mettre que ça, du gravier et du ciment pour voir si ça tient. Après, avec la tonne de ciment que j'ai mis, si ça tient pas, je comprends pas. On verra bien. En attendant, petit café. Bon, on y retourne. Oui. Là, Boudou s'intéresse à ce que je fais. Bon, un peu comme d'habitude. Hein. Mais bon, là, elle va me gêner un peu. Hein. Bon, je vais être obligée de m'arrêter là, j'ai plus de gravier. Enfin, il m'en reste encore, mais bon, il mélangeait de la terre, c'est pas terrible quand même. Donc, faut que j'attende mon fils. Après, go déchetterie pour vider la remorque et direct le magasin. Bon, en fait, je crois que j'ai encore pas mesuré la somme de travail que ça va me demander. Et les finances aussi. Oui, parce que là, j'ai mis pratiquement un sac de ciment dans ça. Il va en falloir quand même pas mal. Hein. Ouais. Bon, petit café. Bon, il n'empêche que si l'herbe elle pousse, là je comprends vraiment pas. C'est ce qu'on appelle se faire dorer la pilule au soleil. N'est-ce pas, Squinty? Oh bah. Coucou, il y a quelqu'un? Ah non, elle dort profondément. Oh voilà, il s'est tranquille. Donc voilà, la première remorque est arrivée. Ça a l'air de rien comme ça, mais là-dedans, il y a quand même 250 kilos. C'est peut-être la seule que je ferai aujourd'hui, je pense. Bah ouais, elle est déjà 15h30. On me prendra à faire une grasse matinée aussi.
ça fait pas énorme en fait, hein. Quand on voit qu'on a encore tout ça. Bon, bah, on prendra son temps et puis c'est tout. Bon, il ne me reste plus qu'à l'humidifier. Sécuriser la zone pour pas qu'on roule dessus ce soir, ça serait pas mal quand même. Et ce sera bon. Enfin, pour ce soir, bien sûr. Bon, je pense qu'il y a assez d'eau là. Par contre, je sais pas comment je vais faire pour sécuriser le coin, quoi. Bah ouais. À voir. Bon, avec ça, j'espère que les gens comprendront qu'il faut pas rouler dessus. J'espère. Je suis pas sûre des résultats. Ça me paraît léger quand même. Après, c'est un test, hein, on verra bien. Bon. Vous quittez, je voulais vous montrer quelque chose. C'est trop chou. Regardez ce qui sort derrière là-bas, c'est des courgettes. Et on voit un petit bout de vert là aussi. En fait, c'est les melons et les concombres derrière aussi. Par contre, pour les tomates, il n'y en a que deux qui sortent. C'est pas énorme, hein. Bon après, il est toujours temps de repiquer, hein, c'est pas un problème. Enfin, de replanter, de ressemer, je vais y arriver. Hein. Bon, les choux sont beaux, hein. Poireaux, autres choux, la salade, regardez-moi ça. Trop contente. Mais je suis dans un état, mon Dieu, bon, c'est pas grave. De toute façon, normal avec le ciment, le gravier. Donc je vais vous laisser pour ce soir. Je vais aller me reposer. Essayer de me lever demain matin, ce serait pas mal. Mais je sais pas, ça m'a l'air timide comme construction. Pas l'impression que ce soit assez solide. Attends, j'ai mis la tonne de ciment, mais bon. Ouais. Je suis pas trop sûre. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer la couche en dessous. Et puis, si vraiment je vois que c'est pas assez solide, hein, et je ferai comme j'ai dit, hein, c'est-à-dire avec béton, armature et tout. Donc, verdict demain. Enfin, si c'est sec, bien sûr. Normalement, oui. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et merci de m'avoir suivi. C'est trop gentil. Merci de vous être abonné. Merci de liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis à demain. Bonne soirée.